la pomme. Non, alors, j'ai sorti une vieille recette. C'est pour ça qu'elle est encore dans un papier, parce que j'ai ouvert un classeur, et puis... Alors, vous savez qu'on a ouvert la cité de la gastronomie et du vin à Dijon. Oui. Donc, pour faire honneur à cette cité, nous, les groupes folkloriques bourguignons de Côte d'Or, nous, eh bien, on vous a concocté une petite recette originale à déguster sans modération. Par contre, bon, cette recette doit son nom à un livre. Un livre qui s'appelle « Moi, je suis vigneron » d'André Lagrange. Puis vous voyez, j'ai mis des petites notes parce que je perds un peu la mémoire, donc ça va être mon aide-mémoire toute la soirée. Alors, la recette, je vous la donne. Elle s'appelle « Rêverie vigneronne ». Il vous faut trois ingrédients majeurs. Un bataillon de chanteurs, un escadron de musiciens, et puis un régiment de danseurs. Alors quand vous avez tout ça, dans un premier temps, vous passez chaque escouade en vue afin de savoir si tous les composants nécessaires sont bien là. Ensuite, vous réunissez l'escadron de musiciens et le régiment de danseurs, puis vous remuez, mais alors là, très, très, très fortement, tout ça. Lorsque cet ensemble vous semble harmonieux, vous incorporez méticuleusement le bataillon de chanteurs. Pour finaliser, vous prenez une forte dose de patience et agitez délicatement, mais alors très délicatement tout ça. Hein. Enfin, vous laissez agir un certain temps pour permettre une très bonne harmonisation. Pour parfaire cette recette, il est nécessaire d'y incorporer une bonne louche d'enthousiasme, accompagnée d'une bonne cuillerée d'envie de bien faire, et de saupoudrer le tout d'un bon zeste d'humidité. Maintenant, nous vous laissons apprécier cette recette. Et comme l'a dit Victor Hugo, l'avenir est une porte, le passé en est la clé. Donc hier, j'ai fini ce livre. Ah oui, je ne l'ai pas dit, mais... J'ai fini ce fameux livre. Moi, je suis vigneron d'André Lagrange. Vous connaissez André Lagrange? Ah, André Lagrange, pourtant, c'est un gars... D'ailleurs, c'est marqué au dos du bouquin, c'est pour ça que je vous le dis. C'est l'inventeur de la chorégraphie, de la muséographie du musée du vin de Beaune. Et la musique! Voilà. Donc, c'est un gars de par chez nous. Eh bien, en fin de compte, ce livre, une fois que je l'ai fini, j'en ai rêvé. Alors, j'ai pas rêvé tout le livre, hein. J'ai rêvé uniquement des deux derniers chapitres. Et c'est très facile parce que les chapitres, il y en a 12, c'est les 12 mois de l'année. Et là, eh bien, je me suis concentré sur septembre et octobre. Alors, je vous rappelle, et je vous le redis, c'est un rêve. C'est mon rêve que je vais vous raconter ce soir. Et dans ce rêve, comme tout rêve, il se passe des choses étranges. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas pourquoi, mais voilà. Alors, ça se passe dans un village de la côte. Et pour être précis, ça se passe entre... précisément, hein, entre Chalon et Dijon. Voilà, au moins, on est précis. Et puis, c'est une année noire. Les hommes sont absents du village. Il reste les anciens et les femmes. Quelques enfants. Bon. Je vous avais dit qu'il allait se passer des choses bizarres, hein, parce que moi, les lutins, j'y crois pas, mais bon. Après, le banc des vendanges vient d'être proclamé. Ça va, ça va. Ah, il est temps de préparer la futaille. Thank you.
Ah là là, le jour de Vendange, ça arrive de partout. Ça vient de Macron, de Monceau, ça vient même de Haute-Belle-Neuve, ça arrive de Varrois, de Dijon, et même du Vendange, ça vient. Pour vous dire, hein. Voilà. C'est encore. Allez, file. Ils se forment en équipe. En équipe avec un chef, c'est le porteur de hotte. Eh ben oui, mais voilà, elles sont en rang sur la place du village, c'est l'Allouée. Ah, l'Allouée, c'est là où le vigneron vient choisir son équipe. Et puis, il choisit, en fin de compte, il choisit bien le vigneron. Il choisit des équipes où il y a beaucoup de femmes. Pourquoi il choisit des équipes où il y a beaucoup de femmes? Parce que les femmes, ça mange pas tant, mais ça boit surtout, ben voilà. Clocher du village. C'est l'heure d'aller marronner, hein? Mais comme le marâtre n'est pas là, les vendanges jouent, ils jinguent. Ah ouais. Pas de merde. T'en fais n'importe quoi.
patrie est revenue. Allez, envoie-je, hein, on y va là, hein. Allez au travail, hein. Oh, tu dis à s'amuser là. Au travail, hein, il faut y aller, hein. Bien passé cette journée de vendange. Vous les croyez fatigués? Les Morvandiaux, ils sont en train de préparer le bal. Thank you.
de foulage. Les feuillettes sont remplies aux trois quarts de ce vin de foulage qu'on nomme. Évidemment, on le nomme le vin de pied. Et le quart restant, et là, ça sera fait d'un vin de pressurage. T'as fini de fouler, toi ? Sans jamais connaître le repos. Thank you.
Moi, je suis vigneron